Salut à tous, c'est Oshout. Aujourd'hui, je se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire la vidange de sable. Donc pour le matériel, il vous faudra donc une clé BTR, une clé de 14, le récipient et donc l'huile de boîte et beaucoup de chiffon ou de carton. Ensuite, il va falloir venir donc dévisser ce bouchon qui se trouve ici. On va venir donc dévisser la vis qui se trouve donc ici pour faire donc couler l'huile. Donc là, on va venir donc dévisser la vis pour faire couler l'huile. Donc on va venir donc dévisser, comme je vous ai dit, la vis et donc l'huile va couler. Donc n'oubliez pas aussi donc d'ouvrir cette vis et de l'ouvrir à fond et de faire pencher votre moto parce qu'il va avoir un restant d'huile qui se met ici et ça va permettre donc de vider complètement toute l'huile qui est dans la boîte. Une fois que vous avez bien vidé l'huile à l'intérieur, que vous avez un peu secoué votre moto, donc vous allez refermer la vis, remettre de l'huile donc de boîte par le petit trou qui se trouve là-bas. Et avant ça, donc vous allez venir donc dévisser cette vis qui nous sert de témoin. Donc quand vous allez remplir, il faudra attendre que l'huile coule par ce témoin. Et à ce moment-là, donc vous pourrez venir revisser donc cette vis qui servira donc de témoin et ça serait bon. Donc voilà, donc là on va mettre l'huile dans la boîte. Donc une fois que le liquide coule au niveau donc du témoin, il faut donc remettre la vis au plus vite. Donc voilà, après n'oubliez pas donc de remettre le bouchon dès que vous avez tout rempli, de bien revisser tout pour que ce soit bien serré. Et ensuite voilà, vous avez fini les vidanges. Donc vous pouvez faire tous les 5000, après c'est un chiffre comme ça, vous pouvez bien changer comme vous voulez, comme vous le sentez, ça dépend si vous roulez beaucoup ou pas beaucoup, c'est à vous de voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de laisser un commentaire. Allez, ciao les gens, sortez couverts. We can't go on the weekend. Go on the weekend.